nous amène à la découverte de Lausanne, sachant que Lausanne n'a pas toujours été ici, finalement. Alors, la naissance de Lausanne a été au bord du lac, plus précisément à Vidy, où nous retrouvons encore aujourd'hui les ruines romaines, plus vieilles de plus de 2000 ans. Et au IIIe siècle, comme tu le sais certainement, les Alamans, les Germaniques ont traversé l'Europe et partout ils ont détruit les villes par où ils passaient. Notre petite Lausona, qui était le nom de l'époque, a malheureusement aussi été détruite. À l'époque, les gens y vivaient de la pêche, ils vivaient des commerces. Et ils se sont dit, on ne peut plus rester ici en bas car on ne voit pas l'ennemi venir. Et comme ça, ils se sont déplacés ici et ils ont, disons, trois collines, n'est-ce pas? Voilà, alors à partir du début du IVe siècle, ils ont fui le vicus de Vidy et ils ont commencé à grimper sur les trois collines de Lausanne. Qu'elles s'appellent comment, les trois collines? Alors, il y a le bourg, la cité et la colline de Saint-Laurent. Programme bien rempli, on y toujours. Va. Toujours, on y va. Finalement, la fameuse cathédrale, une cathédrale du XIIIe siècle. Nous sommes devant la cathédrale Notre-Dame, qui est la cathédrale la plus grande de Suisse, également le monument gothique le plus grand, ici sur la colline la plus haute de Lausanne, dans la vieille ville. On va à la découverte alors, on va découvrir son histoire. On va aller à la découverte, tu vas t'en apercevoir que c'est très particulier ici, surtout la construction tout en pierre de Molasse, bien sûr, parce que c'est une pierre qui vient de Lausanne. C'est malheureusement une pierre un peu friable et beaucoup de rénovations sur la cathédrale depuis des siècles. Alors tu m'as amené sur le point plus haut de Lausanne, bien sûr, avec la cathédrale à nos épaules. La vue qu'on voit, tu m'expliques un peu. Voilà, ici sur notre gauche, d'abord toute la chaîne de montagnes françaises, les Alpes, avec une petite vue sur Évian, entre les deux toits là-bas. Et ici, on ressent bien les trois collines dont je t'ai parlé. Donc, la colline de Saint-François, qu'on appelle aussi le bourg. En face de nous, la colline Saint-Laurent, aussi avec une petite église. Et bien sûr, la troisième colline, c'est où nous sommes actuellement. On aperçoit également un de nos trois ponts qui relie justement Saint-Laurent avec Saint-François. Histoire nette de cette magnifique cathédrale. Alors nous nous trouvons ici dans la vieille ville face au plus grand bâtiment gothique de Suisse, la cathédrale Notre-Dame, qui a été construite entre 1165 et une durée de pratiquement un siècle, construite par les évêques de Lausanne. La cathédrale a été entièrement construite en pierre de Molasse, qui est une pierre qui vient de Lausanne, locale. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, beaucoup de rénovations au cours des siècles. Il était difficile de construire ici, car nous nous trouvons sur une colline avec le côté déjà ouest très abrupt, un ravin. Et à la construction, il était impossible de mettre l'entrée côté ouest. Ils ont dû la faire côté sud, car on ne pouvait plus tourner autour. Et donc maintenant, nous avons découvert l'entrée côté sud, l'original. Maintenant, on va avoir l'entrée principale qui est tout à fait récente. Nous sommes ici devant l'entrée principale de la cathédrale, qui est le portail de Montfalcon. Derrière nous, encore la tour, le beffroi de la cathédrale, où nous avons une petite histoire très importante. On a un guet. C'est une vieille tradition qui date depuis 1405, où à l'époque le guet avait le rôle de regarder s'il y avait le feu dans la ville. Toutes les maisons à l'époque étaient en bois. Aujourd'hui, le guet n'a pas la même fonction, forcément.
Mais on a gardé, la tradition et tous les soirs, dans son beffroi, il sort entre 10h du soir et 2h du matin pour crier l'heure sur toute la ville de Lausanne, sur les quatre points cardinaux. Il est même possible de le visiter si vous prenez un rendez-vous. Ok, et maintenant on va à l'intérieur. Maintenant on va aller à l'intérieur. On est à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame et il y a quelque chose qui m'a perturbée. Juste derrière nous, il y a une image, une statue de la Vierge Marie qui a Jésus sur ses genoux. Et depuis la Réforme, les protestants ne croyant pas ou ne vénérant pas Marie, la Vierge a été décapitée. Alors derrière moi, on retrouve une mosaïque absolument magnifique d'un diamètre de 8 mètres et 105 petits mosaïques. Toute la rosace, qui est rare à trouver de nos jours, représente la vision de Dieu au Moyen Âge. On voit Dieu au centre avec 4 ronds autour. Tout est par 4 ou par 12. Le 4, qui est le symbole des 4 saisons, qui peut aussi se diviser en 12, représentant les 12 mois. Il y a les 12 signes du zodiaque, le 4 également les 4 éléments et les 4 points cardinaux. En fait, la rosace raconte ce que Dieu pouvait voir. Nous sommes toujours au cœur de la vieille ville, à côté de la cathédrale de Notre-Dame. Nous avons un château. C'était la demeure de qui ? Alors ici, nous nous trouvons sur la grande place de la vieille ville déjà, avec derrière nous l'ancien palais épiscopal construit autour du 1400 par l'évêque Saint-Mère. Mais il y a une date qu'il faut absolument retenir, Annette. C'est une date où on peut dire qu'il y a un avant et un après. Il y avait effectivement un avant et un après. Et la seule date qu'il faut vraiment retenir ici dans la région, c'est le 1536. Qu'est-ce qu'il se passe? Avant 1536, ici, c'était les évêques qui régnaient sur Lausanne et les environs. Et ils avaient bien sûr tout le pouvoir, tout l'argent, etc., etc. En 1536, nous avons eu l'invasion bernoise. Les Bernois, étant protestants, ont envahi toute cette région. Pendant 200 ans à peu près. Ils sont restés ici pendant 262 ans exactement. Ensuite, on a eu une courte période avec Napoléon. Et en 1803, notre canton de Vaud a rejoint la Confédération helvétique. Nous sommes un peu dans le cœur de la ville. Nous sommes dans le cœur de la ville, plus précisément sur la place Palu, qui est une ancienne et toujours grande place de marché, très très charmante, avec la mairie derrière nous, la grande fontaine de la justice, qui était en fait le premier point d'eau à Lausanne. On a des écrits déjà depuis le Xe siècle. Et il se passe quelque chose de particulier chaque heure pendant la journée. Et voilà, derrière nous, un joli petit carillon, une horloge qui a été installée en 1964 lors de l'exposition nationale de Lausanne. Une histoire un peu particulière à raconter. Donc, en général, comment ça s'est passé? Voilà, quand on regarde l'horloge chaque heure, nous avons le guet de Lausanne qui sort de son petit clocher pour raconter l'histoire. La première histoire qu'il raconte, c'est l'histoire du major Davel.
C'était un général qui habitait à Cuilly, un petit village à côté de Lausanne, et qui est monté sur le château Saint-Mère à la vieille ville avec son armée pour libérer les Lausannois des Bernois, et c'était en 1723. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Lausannois étaient très contents avec les Bernois et la situation, il n'a pas eu de soutien. Et voilà. Décapité à Vidy en 1723. Il est mort ici comme martyr. On le trouve partout. On a vu une belle statue de lui à la cathédrale. Enfin, à la vieille ville, et puis... C'est une présence constante dans la ville, on va dire. C'est une présence constante, et on le trouve à toutes les sauces, partout. Parfait. Il a sonné l'heure. Il en a sonné des heures. Depuis que, du haut de mon clocher, moi, le guet de Lausanne, je veille sur la ville. Nous sommes à côté du quartier du Flon. On rappelle que le Flon, c'est une des rivières qui traverse Lausanne, et je reconnais Annette des arcades ici. Exactement, nous sommes ici sur la place de l'Europe, sous le pont que nous voyons ici sur notre gauche, le grand pont qui était aussi le plus ancien de nos trois ponts de Lausanne. Et on constate que pour l'instant, il n'y a qu'une rangée d'arches. À la construction du grand pont, nous nous retrouvons avec deux séries d'arches. Voilà. Et quand on regarde aujourd'hui, toutes les arches de la partie basse ont été comblées au milieu du 19e siècle lors du voûtage de nos rivières Flon et Louve. On se trouve au milieu du nouveau quartier du Flon, le nouveau centre de Lausanne. Et ici, on retrouvait autrefois une profonde vallée verdoyante où il n'y avait absolument rien. Si on regarde ici sur l'image, avec le grand pont derrière et la vallée tapissée de vignes et pratiquement sans habitation. Une fois le voûtage terminé et le flanc aplati, comme on le voit aujourd'hui, Jean-Jacques Mercier, le fameux industriel de Lausanne, a créé la gare de marchandises la plus importante de Lausanne. Ensuite, il a relié cette gare avec la première métro de Lausanne, qu'on appelle aussi la ficelle, qui relie le centre-ville avec Ouchy. En l'an 2000, un très vaste projet débute ici dans le quartier du Flon avec une rénovation totale de tout le quartier qui représente quand même 55 000 m². Les vieux entrepôts ont été rénovés, les nouveaux bâtiments ont vu le jour avec une architecture de design absolument incroyable. C'est vraiment devenu le nouveau centre de Lausanne qui vit jour comme de nuit. Alors voilà, dans le quartier du Flon, nous avons fait un grand saut depuis le XIIIe siècle dans la vieille ville, dans ce nouveau quartier, vraiment 21e siècle, avec tous ces bâtiments de design, les bars, les multiples restaurants, des cinémas et beaucoup, beaucoup d'événements culturels tout au long de l'année. Donc le bourg est un endroit très vivant parce que pendant l'année il y a quelque chose de spécial qui se passe, et n'oublions pas, c'est l'endroit un peu plus chic, on va dire. Oui, c'est effectivement le quartier chic ici avec la fameuse rue de Bourg qui est juste devant nous.
Et sur cette grande place devant l'église se tiennent des marchés tous les mercredis et tous les samedis, comme d'ailleurs dans toutes les rues piétonnes de Lausanne. Et à Noël. Et à Noël, nous avons un magnifique marché de Noël. Eh bien, on reviendra. On reviendra. À nos épaules Lutry, petit village de 9000 habitants, tout au bord du lac, splendide par rapport à ce qu'il offre, c'est-à-dire des petits magasins, des petites ruelles, c'est vraiment beau de s'y promener. On rejoint maintenant Cuilly avec ce bateau, un bateau du 1900, bateau le plus vieux, disons encore, qui va avec des roues, donc c'est très intéressant de voir comment ça peut marcher. On a la chance d'avoir le capitaine du bateau Montreux, monsieur Bonzon. C'est quoi de conduire ce type de bateau? Ben, ce type de bateau, c'est conduire un musée flottant en fait. C'est un honneur déjà, c'est une joie de pouvoir conduire un bateau comme ça. D'être responsable surtout d'un bateau comme ça. Hein. Parce que c'est un bateau le plus ancien. Hein. C'est 1904, donc il est plus vieux que Titanic. Ouais. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Hein. Ouais. Il a vu deux guerres. Et puis il a survécu à tout ça. Et... Donc j'imagine qu'avant c'était pas un bateau touristique, il avait une autre... Non, tous les bateaux étaient un peu touristiques dans ah, le temps. Okay, oui, quand oui, même. Oui, oui. Alors parce qu'en fait il n'y avait pas le... En fait il y avait presque que du tourisme dans le temps, en 1904. Vous voyez, il n'y avait pas de frontaliers, il n'y avait pas de service comme ça. Donc les gens venaient se promener en bateau et passer leur après-midi, boire le thé, les petits biscuits, la haute société qui venait en bateau à ce moment-là. Et à niveau de mécanisme, vous êtes en train de parler avec une femme, donc comment ça marche? Soyez simple dans l'explication. Eh bien, c'est vite vu. C'est une marmite, des brûleurs qui chauffent la marmite. Okay. La marmite boue, elle fait de l'eau, de la vapeur. Cette vapeur, on la réchauffe encore plus pour qu'elle arrive. On met de la pression, évidemment. Okay. Et cette vapeur, elle n'est pas visible dans l'air. Okay. Elle est simplement sèche. Elle est à 350 degrés. Et puis après, elle est détendue dans les pistons. C'est ça qui fait... Le mouvement. En passant dans les pistons, c'est ça qui fait le mouvement. Est-ce qu'on peut aller voir? Mais bien sûr, on va pouvoir vous aller accompagner. Voir. Je vous accompagne. Merci.
On ne s'imagine pas qu'à côté du lac Léman, il y ait des vignobles si beaux. On est dans les Lavaux. On est dans Lavaux, qui est effectivement un des plus beaux vignobles de Suisse, qui s'étire depuis Lutry jusqu'à Montreux. On va parler de viticulture héroïque. Ces pentes très raides, elles ont une origine. Voilà, il faut aller carrément 15 000 ans en arrière, lors de la dernière glaciation, où les moraines, avec le retrait du glacier du Rhône, a sculpté ces pentes très raides que nous voyons ici dans Lavaux. Ces belles grappes ont été mûries par les trois soleils ici dans Lavaux. Le soleil du ciel, bien sûr, qui nous fait mûrir les grappes, ainsi que le lac qui se reflète dans la colline, et le troisième soleil qui est les murs qui emmagasinent la chaleur durant la nuit et qui continuent 24 heures sur 24 à faire mûrir ces belles grappes. Alors, le vin que je vais vous proposer s'appelle Domaine Croix Duplex. C'est le nom du domaine parce que c'est issu des vignes qui nous entourent ici. C'est donc un Chasselas qui n'est pas 100%. Il a juste 2% de sylvanaire qui lui apporte un petit peu plus de fruité et aussi une légère minéralité et une légère amertume au final de bouche qui est très rafraîchissante. Merci. Une histoire de famille finalement. Avec votre frère, vous avez, disons, relevé le défi, mais c'est votre grand-père qui a commencé. Exactement. Voilà. Il est venu en fait de Suisse allemande en 1929 pour son travail d'ingénieur hydraulique. Et il était déjà amoureux du vin et il est tombé amoureux des vins de la région et du paysage et il n'est jamais reparti. Il a décidé donc d'acheter ce domaine. Mm-hmm. Et de cultiver les vignobles. Voilà, exactement. Comment ça a changé le travail de l'agriculteur? Parce que finalement, il y a tout un côté touristique aussi qui s'est développé à côté. On sait que vous, Maude, vous y avez cru particulièrement, donc vous faites des dégustations sur votre terrasse avec une vue superbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire être agriculteur et accrocher à côté de ça une partie par contre dédiée au tourisme? Alors ça fait qu'il faut jongler un petit peu avec les deux parties du métier, mais l'agritourisme, enfin l'œnotourisme, c'est devenu quelque chose qui est une autre facette du métier tout simplement. Donc il faut se diversifier et il faut développer ça, parce qu'on a un énorme potentiel ici, on l'avoue, et on essaye de surfer sur la vague. Voilà. D'accord, vous avez donc du monde qui vient de tous côtés de... On a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Qui parlent un peu toutes les langues, donc là on peut les accueillir en français, en allemand et en anglais. Parfait, c'est déjà pas mal. Ouais. Et votre vin par contre, il est consommé ici en Suisse ou vous le vendez aussi ailleurs? Alors on a une petite partie qui est exportée au Japon, okay. Depuis déjà bien quelques années, et puis on est en train de regarder pour d'autres pays, mais c'est pas toujours facile non plus de trouver des marchés sur le marché international. Eh bien alors, bien de souhait pour cette histoire de famille, de réussite. Merci. Bien sûr. Merci, merci. Alors, c'est le moment des adieux, même mieux des au revoir, parce qu'avec Annette, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Merci de nous avoir fait découvrir ce petit angle de paradis. On sait que ce n'est pas la dernière fois. On va se revoir. On va se revoir. Pour moi, c'était également un immense plaisir de te revoir après 2 ans, depuis notre dernière émission. Et franchement, j'ai qu'une envie, qu'une hâte, c'est que vous revenez et que je puisse encore vous montrer notre belle région. Alors, rendez-vous peut-être en janvier, 9 au 20, lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se tiennent à Lausanne. C'est retenu. Ciao. Ciao. Merci.